Située au local 1229 du campus de Rouyn-Noranda, la classe active permet à nos étudiants d'être au cœur des apprentissages. C'est pas nécessaire d'avoir une classe comme celle-ci pour faire de l'enseignement actif. Il y a déjà plein d'enseignants dans notre cégep qui en réalisent. C'est juste qu'ici, on leur offre des conditions idéales pour expérimenter des activités. Il n'y a pas de place pour l'enseignant devant un tableau. La place, c'est des îlots de travail où les étudiants travaillent en collaboration. Ils sont plutôt accompagnés par leur enseignant. En fait, ici, comme tout le monde a l'écran devant les yeux, c'est pas comme s'il y avait juste un étudiant devant son petit écran d'ordinateur puis les autres essaient de se joindre au travail. Donc, ils sont beaucoup plus impliqués, je trouve. Ils sont peut-être plus actifs dans la mesure où ils ont un rôle à jouer parce qu'il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser en même temps. Donc, chacun peut faire une action différente. Ça facilite beaucoup. Quand on arrive pour s'échanger des documents, on les a tous sous les yeux en même temps. Donc, c'est facilitant pour les étudiants. C'est très rassembleur parce qu'ils sont autour d'un îlot, mais ils sont aussi à l'intérieur du local et ils peuvent circuler d'un îlot à l'autre pour aller aider les autres équipes. Donc, on peut faire un beau travail de collaboration. Puis enfin, bien, ça rend, moi, mon travail plus efficace parce que je peux être disponible à tous les étudiants en même temps. Pour un même travail ici, ce qui facilite les choses, c'est que c'est beaucoup plus rapide pour ouvrir plusieurs réseaux en même temps. Ça favorise le travail d'équipe et c'est beaucoup plus rapide pour les délais. C'est qu'on peut tous se partager les informations immédiatement. En fait, il n'y a pas de délai d'attente. Fait qu'on a tout accès aux informations rapidement. Quand on fait les présentations dans une classe traditionnelle, souvent les étudiants en fond de classe ont moins accès au visuel et ça permet aussi d'utiliser tous les outils de la classe d'apprentissage actif parce qu'on a des crayons, on a des fluorescents et là, on peut aller modifier le document, l'enregistrer et se le partager par la suite entre étudiants. Donc, tout le monde a participé aux modifications. Ensuite, on fait l'enregistrement puis on peut se partager ça. Ça devient un outil de révision, des notes de cours, mais qui ont été conçues par le groupe en même temps. Mais moi, j'aime beaucoup la polyvalence que le local offre aux étudiants, que tous les écrans, qu'est-ce que tu peux faire avec les écrans, que tout le monde peut travailler en même temps puis qu'il n'y a personne qui attend à côté son tour pour travailler. Donc, c'est vraiment le fun. Pour plus de détails, n'hésitez pas à communiquer dès maintenant avec le service technopédagogique de la Direction des études.